current situation is holding us back from being the church that we sought out to be 16 years ago. Because of our growing community, the need for our very own space has been put in our hearts. The Mandela Project is our fundraiser to help us afford a new building. We need an African community center. So basically, our church is raising money to build or develop a community center. So the purpose of that is to kind of help newcomers, especially Africans. This project will be helping like people, struggling people in need. They're coming to the States, so we just want to, you know, help them get involved in American life and thrive in this, you know, beautiful country. Sometimes it's not easy when you're first coming to this country. They're getting here, but they need some guidance, like how to learn the language and help people to integrate to the new society, which is, you know, here in America. I can give my own example. When I first got here, I didn't speak a word of English, and it was kind of hard. You know, I remember going, you know, to community college, not really, you know, being able to communicate with, you know, other students. It was kind of frustrating. So I believe that that community center will help people kind of, you know, just get a sense of this of the many opportunities that this country has. Please join us to raise funds to create the African Community Center, which is a place that can empower immigrants like me. Together, we can be able to help train the people who are in need of leadership, help those who are the immigrants coming to the United States from Africa who are having a hard time transitioning, assimilating into this American culture. If you help us, God will bless you, and that's what we're really looking for. Your donation will do so much more than just provide us with a permanent resident. The contribution will be a bridge between American and African culture through food and music. Your gift will help an immigrating family feel at ease for the first time in the United States. Our church is so much more than its Sunday service. We have a variety of ministries here at our church to ensure that everyone has a place to serve. It's a place where people come to feel included every day of work. And day by day, each and every one of our ministries is growing. Don't just take my word for it. Come. See for yourself. Come fellowship with us. Come and worship with us. And be sure to check out our website. Nakomina suka makasi esi ngai simbola loboko yo salela ngai ngono yo eli eli la basaba ngai koti kalati yosito ni manga isuni na. Amen. Alleluia. Amen. Notre Seigneur est bon. Il est merveilleux. Il est temps que nous commençons notre service de cet après-midi. J'ai béni mon Dieu pour ce privilège, cette occasion qui nous offre une fois de plus dans sa présence, parce qu'il est là avec nous.
C'est un rendez-vous que nous avons fixé avec notre Dieu, d'être là toujours, de l'adorer, de le louer et le glorifier. Là où vous êtes, à la maison, partout, là où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans la présence de notre Dieu. Et c'est lui qui va nous diriger et nous conduire. Soyez-en sûrs que nous serons grandement bénis. Parce que dans la présence de Dieu, c'est là où il y a la vie. Dans la présence de Dieu, c'est là où il y a la joie, c'est là où il y a la paix. Et nous allons passer un bon moment dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Et je vous promets, vous serez grandement bénis. Parce que nous avons un Dieu qui ne ment jamais. Alléluia. Dans notre détresse, il est là. Dans nos problèmes, il est là. Alléluia. Quelle que soit la dictature de la nature, il y a des fois la nature nous impose. Les circonstances nous imposent, mais nous savons que nous avons un Dieu. Et à lui appartient seul le dernier mot. C'est pourquoi nous allons le bénir cet après-midi. Nous allons nous humilier dans sa présence pour invoquer son nom. Et abandonner cette soirée entre ses mains. Nous allons tous implorer sa miséricorde, implorer sa bonté, son amour. Nous allons recommander notre service entre ses mains. Alléluia. Demandez sa présence, qu'il nous conduit, qu'il nous dirige et qu'il nous assiste, qu'il nous parle cet après-midi. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, parce que nous voulons encore écouter de sa part. Nous voulons être touchés. Nous voulons être transformés. Alléluia. Notre présence en ce lieu témoigne la gratitude que nous avons devant celui qui nous a appelés, devant celui qui nous a aimés, devant celui qui nous a élus. Nous sommes un peuple de Dieu. Nous sommes un peuple de Dieu. Et c'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous bénit. J'ai la joie parce que je suis dans sa présence comme la Bible nous dit, David. Il disait toujours, j'ai la joie quand on me dit d'aller dans la maisonnée de Dieu. Alléluia, parce qu'il va rencontrer son Seigneur. Alléluia. Nous allons nous humilier devant lui, dans sa présence. Nous allons abandonner ses services. Nous allons nous abandonner nous-mêmes entre ses mains. Dis à celui qui t'a appelé cet après-midi de te parler, de te bénir. Alléluia. Et nous allons recommander tout ce qui sont ici. Que Dieu nous utilise tous. Oui, béni soit ton nom, Père, très saint, toi qui es Dieu. À jamais ton nom sera grand, Papa. Et tu régneras toujours, Yahweh, Papa, toi qui ne changes pas. Le même, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te bénissons, Papa. Amen. Alléluia, Amen. Papa. Conduis-nous et dirige-nous. Alléluia. Assiste-nous, Papa, c'est là cet après-midi. Amen. Touche nos vies, oh Papa. Parle, Papa, cet après-midi. Oh. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Éternel grand Dieu, Papa Céleste. Je viens te coûter. Oh. Je veux te coûter, oh Papa Céleste. Parle, je sors de toi. Et manifeste-toi, mon Dieu, Papa Céleste. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Oui, tu es notre amour. Là. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Conduis-nous. Amen. Dirige-nous. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
bolinga motima amen amen haleluya amen kumama na yo bisoto sangani dans le livre de 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Nous allons commencer par le verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans le lieu de tourment. Pour toi, homme de Dieu, pour toi, enfant de Dieu, pour toi, serviteur de Jésus-Christ, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et celle souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. À qui appartient la gloire et la puissance éternelle. Amen. 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 Nous avons lu la parole de Dieu. Notre Dieu merveilleux, notre Dieu bon. Si nous pouvons voir, aller dans le livre de Habacuc, Habacuc chapitre 1. Habacuc chapitre 1, dans le verset 13, il est écrit, tes yeux sont trop pur pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Ça, c'est notre Dieu. Dieu ne peut pas regarder l'iniquité. Il ne peut pas. Parce que pourquoi? Ses yeux sont tellement purs. C'est pourquoi Jésus, sur la croix, il cria, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Dieu ne pouvait pas regarder, parce qu'il portait nos péchés, nos iniquités. Dieu ne pouvait pas, il n'a regardé Jésus. Quoique son fils, alléluia, nous aussi, nous avons péché. Nous avons péché contre lui et contre lui seul. Humilions-nous devant celui qui est capable de nous pardonner. Il est fidèle et juste, comme dit sa parole, si nous confessons nos péchés. Nous allons demander pardon.
là où nous avons broché, là où nous avons tombé, là où nous avons péché. Alléluia. Humilions-nous devant lui, devant celui qui donne la vie, devant celui qui pardonne. Alléluia, il est là. Il connaît tes transgressions. Mais il te demande, il te dit, confesse-le devant moi. Et je vais te pardonner. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Mon Dieu, devant toi, je m'abandonne, je m'humilie. Je connais mes péchés, oh papa. Et je viens les confesser devant toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, papa, toi qui as dit dans ta parole, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Je viens en toi tel que je suis. Oh. Et pitié de moi, papa. Souviens-toi de moi, mon Dieu, papa. Dans ton amour, dans ta grande miséricorde, mon Dieu, papa. Souviens-toi de moi à travers ce que Jésus a enduré sur la croix, Yahweh. Souviens-toi de moi, papa, dans ta bonté, Yahweh, papa. Et pardonne-moi, Père Céleste. Oui, j'ai péché contre toi et contre toi seulement. Que ton nom soit loué et glorifié, Yahweh. Toi, le Dieu d'amour, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, Yahweh. Oui, je rends grâce et je te remercie, ma foi. Yahweh, tu ne peux jamais au pas de ma vie. Alléluia. Papa Céleste, merci. Pour le pardon que tu m'accordes, Yahweh, je crois. Et j'accepte, Papa Céleste, en moi, Yahweh. Ton pardon, Yahweh, Papa. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom de Jésus-Christ. Merci, Papa. Alléluia. Alléluia. Que ton nom soit loué et glorifié. Nous te disons merci, Papa Céleste. Merci, toi, Papa. Tu nous as pardonné, Papa. Te glorifions parce que, Papa Céleste, tu as eu pitié de nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et nous allons implorer le sang de Jésus. Le sang de la nouvelle alliance. Alléluia, Papa. Nous allons tous implorer le sang de Jésus. Alléluia. Il a accepté de verser son sang pour nous. Qu'il nous transforme. Qu'il nous purifie. Qu'il nous sanctifie et nous justifie. C'est pourquoi nous allons implorer le sang de Jésus. Il a dit dans sa parole, sans la vision de ça, il est impossible que nos péchés soient effacés. C'est pourquoi tous, nous allons demander le sang de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Yahweh. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, oh Papa, je viens devant toi, mon Dieu. Je pleure, Yahweh, le sang, Papa, qui a été coulé pour moi. Yahweh. Oui, le sang de l'agneau, Yahweh, qui nous lave et qui nous justifie, oh Papa. Papa Céleste, lave-moi. Yahweh. Et sanctifie mon cœur, Yahweh, Papa Céleste. Lave-moi, Papa. Oui, lave-moi, Yahweh. Lave-moi, mon Dieu, Yahweh, Papa. Et pitié de moi, Seigneur, je te loue. Je te glorifie, toi qui es Dieu, Yahweh. Alléluia, que ton nom soit élevé, Yahweh. Merci pour ton sang, Jésus. Merci pour ton sang, Yahweh. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Oui, souviens-toi de moi, Seigneur Jésus. Souviens-toi de ton peuple que nous sommes, Seigneur. Alléluia, glorifie-toi, Père. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur.
Nous sommes un peuple pour toi, Yahweh. Oui, c'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui nous as élus, Yahweh. Oui, merci, Seigneur Yahweh. Merci pour ton sang, Jésus. Merci pour ton sang, Jésus. Merci pour ton sang, Jésus. Et tu l'as versé pour moi, Yahweh. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Mon Dieu, je te glorifie, Yahweh. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, nous allons implorer le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. L'Esprit de la connaissance. L'Esprit de louange et d'adoration. Alléluia. C'est lui qui nous a oint de son esprit. Afin que nous soyons capables. Afin que nous soyons capables de parler en langue. Afin que nous soyons capables de discerner. Afin que nous soyons capables de guérir. Afin que nous soyons capables de lever son nom. Nous allons implorer le Saint-Esprit. Fais appel. Belle et l'amour du monde ensemble. Que le Saint-Esprit descend. Descend ce lieu, Saint-Esprit de Dieu. Descends en ce lieu et agis au milieu de ton peuple. Agis en moi, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Soutiens-moi et fortifie-nous là-bas. Là où nous sommes faibles. Alléluia, Saint-Esprit, toi qui nous aides, toi qui es notre force, toi qui es notre soutien, toi qui nous rends capables. Saint-Esprit de Dieu, touche-moi. Agis à moi. Descends en ce lieu. En ce moment où nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu, descends au milieu de ton peuple. Descends, Saint-Esprit de Dieu. Descends, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Et que tu agis au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi cet après-midi au milieu de nous. Dans nos vies, oh papa. Oriente-nous. Parle-nous, oh papa. Ouvre nos yeux, papa. Afin que nous soyons capables d'écouter ta voix. D'écouter ta voix, Saint-Esprit de Dieu. Utilise-nous cet après-midi, oh papa. Nous voulons t'adorer, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons te louer. Nous voulons te glorifier, papa, de te donner gloire et honneur, mon Dieu, mon roi. Papa céleste, utilise-moi, papa. Et que ton esprit me conduise et ton esprit me parle cet après-midi, oh papa. Glorifie-toi, Saint-Esprit de Dieu. Merci, toi, tu es là et toi qui agis, oh papa. Alléluia, papa. Touche nos vies. Touche nos cœurs, papa céleste. Nous voulons être transformés cet après-midi. Et nous voulons écouter ta parole. Nous voulons t'écouter, Yahweh Papa. Oui, dispose nos corps, Yahweh Papa. Dispose nos corps afin d'écouter, Yahweh Papa. Ta parole, Yahweh Papa. Alléluia, Yahweh. Agis en nous cet après-midi, Yahweh. Descends, Saint-Esprit. Puis toi qui es vrai, tu es juste. Descends au milieu de nous. Et nous t'invitons, Yahweh Papa. Peuple de Dieu, Yahweh, manifeste-toi. Manifeste-toi, oui, papa. Oui, tu es réel. Seigneur Jésus, alléluia. Alléluia. Oui, descend, Yahweh. Descend, Yahweh. Nous te disons merci, parce que tu es là. Et tu es en train d'agir. Tu es en train d'agir.
train de parler. Oui, parle. Continue à parler. Continue à agir. C'est là où il y a l'Esprit de Dieu. Oui, c'est là où il y a la vie, la lumière. Éclaire ce lieu, cet endroit où nous sommes. Et que tu illumines tout ce qui est, Papa. Et Papa Céleste, que tu illumines ce qui est pour toi. Le grand nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Descends cet esprit de Dieu. Quitte. 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 Ya solo. 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 Ya solo. Quitte. Oui, merci Saint-Esprit. Merci parce que tu es en œuvre, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Tu es là. Tu es là au milieu de nous. Tu es là au milieu de nous, au milieu de ton peuple. Et tu es là, tu agis, Saint-Esprit. Et tu bouges, tu agis au milieu de ton peuple. Manifeste-toi, mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous sommes tous témoins, Yahweh. Nous sommes tous témoins de ta présence au milieu de ton peuple. Tu es là au milieu de nous. Tu es là et c'est toi qui nous conduis. C'est toi qui nous dirige. Et c'est toi qui parles cet après-midi. Saint-Esprit, descends, Yahweh. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Et tu es là, tu bouges. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, l'Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est là. Il est en train d'agir. Il est en train de mouvoir parmi nous. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Il est en œuvre cet après-midi. Et il est là au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vivant. L'Esprit de Dieu qui témoigne à nous que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Adonai, toi le créateur de tout, Yahweh. Oui, Saint-Esprit, merci. Béni soit ton nom, Papa. Alléluia, glorifie-toi. Merci, Seigneur, Yahweh. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est là. Il est là en ce lieu. Il est là en ce lieu. Alléluia. Je peux sentir sa présence. La présence du Saint-Esprit en ce lieu. Il est là, mon Dieu, Papa. Et c'est toi qui vas parler, Papa. C'est toi qui vas parler ce soir. Alléluia. Nous te disons merci. C'est pourquoi nous allons adorer notre Dieu. Alléluia. Si la santé nous permet, nous allons nous lever debout. Nous mettre debout. Là où vous êtes à la maison. Alléluia. Nous allons tous nous mettre debout. Pour adorer le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Béni soit ton nom. Nous te glorifions, Père Céleste. Parce que tu es là, Yahweh. C'est toi qui es Dieu, Yahweh. Qui peut se mesurer à toi, pour le Papa Céleste? Yahweh, Papa Céleste. Tu me donnes toute raison, Papa Céleste. De me tenir en ce lieu, Papa, pour t'adorer, Yahweh, Papa Céleste. Qui peut faire, Yahweh, Papa Céleste? Yahweh, deux choses comme toi, Yahweh, Papa. Tu es mon Dieu, Papa. Oui, que tout ce qui est en moi adore mon Dieu, Yahweh. Tout ce qui est en moi glorifie le oui, nous t'adorons, Seigneur. Tout ce qui est en moi te loue, Yahweh, Papa. Oui, nous t'adorons cet après-midi, Seigneur. Alléluia, merci, Seigneur. Oui, nous t'adorons, celui qui est assis sur le trône. Oui, nous t'adorons, celui qui est assis sur le trône. Oui, nous t'adorons cet après-midi, car il y a moins de Dieu sans parler à toi. Nous adorons celui qui règne à toujours. Alléluia. Alléluia. Yoko bomba nakate. Alléluia.
Agathe. Il ne change jamais. Oui, il est le même. Yo, Kuma, Aleluya.
Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, Papa, parce que tu es Dieu. Merci Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir tous les malades. Il m'a envoyé pour envoyer libre les opprimés et délivrer tous les captifs. Bonganga na zambe, 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 Yekoli kondi na moto eli kaba sansu e bonganga aye bonganga bonganga na zambe bonganga bonganga na zambe bonganga baninga toye mango oye mwa zambe bonganga na zambe bonganga. Dans le décret qui nous condamnait pèse sur nous, il a détruit en le croix à la croix. Il a vaincu les dominations et les autorités, le magicien et le sorcier. Oui, il a effacé l'acte qui nous condamnait. Chantons ensemble. Il a effacé l'acte et le décret qui nous condamnait pèse sur nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a vaincu les dominations et les autorités, les magiciens et les sorciers. Yeah, bonganga.
boyo Baninga toyemba go Koyembe la zambe esengo boye Oya bison nga zanzambe azali kolo Il vit éternellement ye akufa kate Kombo na ye Jésus le roi de rois Il est seigneur ye akufa kate Amen Bangama ya moki bangando ki bazanzambe te elika nganga suka suka seze Balaka mabala, banana bango babalaka te Balaka mituka, bango moko seba Pieton, balaka bambongo, bango moko seba bora Kasi oya Jezu, toko tika te Oya lobi, eko kisama tujou Amen Sembola loko na bongo ya banda eba mona Nakongo to leli pe mingi to sengi se kure bonganga Bonganga na zambe Azeze leli pe mingi to sengi se kure bonganga Bonganga na zambe Na ele to leli pe mingi to sengi se kure bonganga 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 na zambo yo Sengo boye E bonga Tu cheza Bana zambe tobina Bana zambe tobina Alléluia. Oui, je vais inviter mon frère Don, celui qui va nous lire les annonces et nous parler du projet Bendel. Alléluia. Alléluia. Nani Mokonzi. Amen, amen, amen. Yesu nde Mokonzi. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore cet après-midi dans la maison de notre Seigneur pour les louer et pour les glorifier. Amen. Nous allons faire la lecture de nos communiqués, d'abord en français, puis nous allons lire en anglais.
manquez pas de vous connecter en direct. La Bible nous dit, n'abandonnons pas nos assemblées. Hébreux chapitre 10, les versets 24 à 25. Ceux qui se sentent à l'aise, comme nous le disons toujours, peuvent se joindre à nous pour louer le Seigneur ensemble. Ceux qui ne se sentent pas à l'aise, ils peuvent rester à la maison et suivre en direct sur YouTube et Facebook. Nous avons Sainte Cène aujourd'hui, préparons-nous en fonction. Nous louons le Seigneur pour la reprise de nos services. Une personne ici à Albany, que notre Seigneur soit béni pour cela. Dimanche prochain, 9 mai 2021, nous allons célébrer la journée des mamans, Mother's Day. Et nous vous attendons ici. Ceux qui se sentent à l'aise peuvent venir se joindre à nous pour célébrer ensemble avec les mamans. Le service sera exclusivement dirigé par nos mamans. Comme nous le savons tous, depuis le 1er avril 2021, nous avions commencé à payer 1 500 $ pour notre loyer de l'église et avec la possibilité de commencer à payer 2 000 $ à partir du 1er juillet. Donc nous devons continuer à contribuer dans la maison du Seigneur et nous aurons toujours non tinsani chaque mois pour couvrir ces loyers. Parce que pendant 11 mois, nous avions payé 1 000 $ par mois et cette grâce a été déjà expirée. Pour d'autres activités d'ACCSC, vous pouvez aller sur notre groupe WhatsApp pour avoir beaucoup plus d'informations. Nous demandons à tous les papas qui sont présents ici de pouvoir rester quelques minutes après le service pour une conversation. Amen. Nous allons passer à la lecture de nos communiqués en anglais. We are going to read our announcement in English. Please connect yourself to the live Sunday service and invite friends to join too. Let us not forsake our assemblies, says Hebrews chapter 10, verse 24-25. Or just come and join us for in-person service here at church. Today we have a Holy Communion, so let's be prepared for that. Announcement number 3. We glorify the Lord for resuming in-person service here at Albany. Next Sunday, May 9th, 2021, we will celebrate Mother's Day. The service will be entirely led by our mothers. So come and join us. We are waiting for you all and we will be blessed. Amen. Since April 1st, 2021, we started paying $1,500 per month and going up to $2,000 on July 1st, 2021 for the church rent. So the CDP decided to have chintani every month to cover our rent. Remember that for 11 months, we were paying only $1,000. Amen? So we're asking to the fathers to stay a few moments after the service for a communication. We're going to stop here for our announcement. C'est la fin de nos communiqués. Si vous avez besoin d'autres informations, vous pouvez aller sur notre groupe WhatsApp. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. N'oublions pas de continuer à contribuer pour le projet Bendele. Continuons à prier pour le projet Bendele. Lorsque vous achetez sur Amazon, n'oubliez pas de taper smile.amazon.com parce qu'une partie de votre achat sera donnée à notre compte Bendele. Que le Seigneur vous bénisse tous. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse tous. Oui, nous voulons écouter la parole de Dieu. C'est le moment où Dieu veut parler. On dispose ton cœur à écouter les messages que Dieu a pour nous. Nous avons demandé, quand nous avons commencé notre service, que Dieu nous parle. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Alléluia.
La Bible dit au moment de leur détresse, Dieu a envoyé la parole. La parole est la vie. Alléluia. La parole nous transforme. La parole nous bénit. La parole de Dieu est la vie à ceux qui l'écoutent. Nous allons demander que Dieu nous parle cet après-midi, individuellement. Parce qu'il y a un message pour toi et il y a un message pour moi. Nous allons demander que Dieu utilise son serviteur, celui qui va nous transmettre cette parole. Prions dans le nom de Jésus. Papa, nous te disons merci, toi qui es notre Dieu. Me voici devant toi, Papa. Toi qui connais mon cœur, Yahweh. Tu connais les blessures de mon corps, Papa, de mon cœur, Yahweh. Je veux que tu puisses me parler. Je veux que tu puisses me guérir, Yahweh. Je veux que tu puisses me transformer. Béni soit ton nom, Papa, parce que tu vas parler. Dispose-le mon cœur, Papa Céleste, à écouter, Yahweh, Papa, cette bonne nouvelle. Et illumine les yeux de mon cœur, Papa, parce que je veux, Yahweh, écouter. Et béni celui que toi, tu as utilisé, tu as choisi, Yahweh, Papa, enfin de transmettre cette parole, Yahweh. Et au travers de la personne, Papa, celle que tu as choisie, nous serons grandement bénis. Merci, mon Dieu, Papa, pour ta bénédiction, pour tes bénédictions. Merci pour ta fidélité. Reçois l'honneur et la gloire, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, je veux. Il y a une erreur quand vous regardez nos communiqués, amen, nos pamphlets. Il y a une erreur. C'est le pasteur Fabrice qui va enseigner. Ce n'est pas le pasteur Paloukou. Là-bas, c'est écrit pasteur Paloukou. Mais c'est le pasteur Fabrice, c'est lui qui va nous bénir. Alléluia. C'est lui qui a écrit le quoi là, qui a fait le programme. Il était un peu distrait quand Dieu parlait. Il était un peu distrait là. You know, il a manqué le... Yeah. Alléluia. Yeah. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Oui, nous allons continuer à prier pour notre frère. Il fait un grand travail parmi nous. Nous allons reconnaître ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Et Dieu connaît pourquoi il l'a mis, il l'a placé au milieu de nous. Parce qu'il a un travail à accomplir. Nous allons le bénir. Alléluia. Pasteur Fabrice. Praise God, praise God. Gloire à Dieu, gloire Let's à Dieu. Let's give it up for Jesus Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Clap one more time for Jesus Acclamons Christ. Encore une autre fois pour Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Let us pray. Prions. Message. Pour ce message, We pray that you open our hearts, nous prions que tu disposes nos cœurs, open our ears, oh Lord. Dispose nos oreilles aussi. Nous voulons être à mesure d'écouter de ta part, so we can be changed. Afin d'être transformés. Nazana posa. Yesue, Yesue, Nazana posa koyo, kumama yawe. Kumama na bomo inanga, kumama yawe. Nazana posa koyo kayo Yesue Yesue Nazana posa koyo kayo Yesue Yesue
Nazana posa Yesue, Yesue, Yesue Nazana posa Yesue, Yesue, Yesue Nazana posa Yesue, Yesue, Yesue Nazana posa koyo kayo kumama ya I'm going to pray with me. Pray. Cast out distraction. Chasse toute distraction. Hallelujah. Hallelujah. The word of God, la parole de Dieu, is meant to come and transform. Est censé venir transformer des vies. Thank you, Father God. Merci, Père Céleste. For such a beautiful message. Pour ce très beau message. We thank you because you're the one. Nous te remercions parce que tu es celui. Speaking today. Qui parle aujourd'hui. And we are just ready to receive. Nous ne sommes que prêts à recevoir. Hallelujah. Hallelujah. We are ready to receive. Nous sommes prêts à recevoir. And grow and be transformed. Et de croître et d'être transformés dans cette église. Every spirit that's not from you, Father God. Que tout esprit qui n'est pas de toi soit chassé. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. And all your enemies leave right now in the name of Jesus. Au nom et tout ennemi maintenant au nom de Jésus. We thank you. Nous te remercions. As we clap for you, Jesus. Alors que nous acclamons pour toi, Jésus. Alléluia. 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 Brother David, if you can give me a little volume here. Un peu de volume, Papa David. Our God is good. Notre Dieu est bon. Our God is good. Notre Dieu est bon. Hallelujah. Hallelujah. Praise God, praise God. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. We thank the CDP one more time. Nous remercions le CDP encore une fois. For trusting us today. Pour la confiance encore. Hallelujah. Hallelujah. With the word of God. Avec la parole de Dieu. We want to remind all of us. Nous voulons nous rappeler encore. Continue to pray for our pastor Kasirika who is still away. Continue à prier pour notre pasteur Kasirika qui est en voyage. Hallelujah. Hallelujah. Even if we saw, some of us saw the troops that have been sent in the eastern Congo. Bien que plusieurs d'entre nous avions vu des troupes envoyées à l'est du Congo. But we still gotta continue to pray. Nous devons néanmoins continuer à prier. Hallelujah. Hallelujah. The situation is still not calm yet. La situation n'est pas encore stable. Hallelujah. Hallelujah. We're going to do the Holy Communion towards the end. Nous allons prendre la Sainte Cène vers la fin. We will see why. Et nous le verrons pourquoi. Hallelujah. Hallelujah. We are back with the theme of the year. Nous sommes de retour dans le thème de l'année. Hallelujah. Hallelujah. I think it came from Papa Ernest. Je pense que c'était venu de Papa Ernest. Hallelujah. Hallelujah. We want to be pure one more time. Nous voulons être purs encore une fois. Hallelujah. Hallelujah. I know you have a mask on, but tell your neighbor. Je sais que tu as un masque sur be toi. Be purified. Mais dis à ton voisin, sois purifié. Be purified. Sois purifié. Hallelujah. Hallelujah. Because God, there's a need among us to be purified. Parce qu'il y a besoin de sanctification au milieu de nous. When God looks at how a church, je regarde notre église. He sees that there's a need for all of us to il be purified. Voit qu'il y a un besoin de sanctification. Hallelujah. Hallelujah. The hope of glory. Pour l'espérance de la gloire. Sometimes when you've been around so much dust, il y a des fois quand tu as été autour de beaucoup de saleté, it's difficult to really see the nature of the person. C'est difficile de réaliser la nature de la personne. Those of us who grew up in Kinshasa, other places in Congo. D'ailleurs au Congo, whenever we saw a car with plenty of dust, une voiture avec tant de poussière, it was clear. C'était clair. We could see that this car has been around dust. On pouvait voir que cette voiture a été au milieu and de la poussière mud. Et de la boue. And most of the time, it's difficult to see the type of car that is. C'est très souvent, c'est difficile de détecter quel genre I de voiture. I hope you're still with me. J'espère que vous êtes Hallelujah. Avec moi. Hallelujah. It's hard to see if it's a Lamborghini. C'est difficile de voir si c'est une Lamborghini. It's hard to see if it's a Toyota. Ou encore une Toyota. Because there's so much dust parce around the car. Y a tellement de poussière autour de la voiture. Hallelujah. Hallelujah. It's difficult
to see if you're really a Christian. C'est difficile de voir si tu es vraiment chrétien. If you're really a pagan slash Christian slash religious. Because some of us have been around so much dust. Parce que certains d'entre nous avions été tellement. That's why God wants to purify us one more time. Dieu aimerait nous sanctifier. Because He wants our true identity to show up. Hallelujah. He wants our true identity to show up. Notre vraie identité soit connue. Hallelujah. Hallelujah. Be purified. Être purifié. Sometimes when you've been around so much hatred. Hallelujah. Hallelujah. We can smell it. On peut le sentir. Hallelujah. 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 When we've been around so much hatred, quand on a été autour de tant de haine, it's smellable. I think that's the word. Ça se sent. You can smell it. Ça a une odeur, ça se sent. You see a brother well dressed. On voit un frère bien habillé. Like my father-in-law there. God Comme bless mon père, you. Always well dressed. Toujours bien habillé. Instead of complimenting him. Oh, yeah, il a se faire voir. Hallelujah. Hallelujah. Ma vie salité à Amoli Moabi. On dit que la salité est dans propre. Hallelujah. And most of the time, it's because we've been around so much hatred. C'est très souvent parce qu'on a été autour de tant de haine. Hallelujah. And everything around us, the hatred is so, you know, it's went inside to the point where that's all. And God wants to cleanse us. Et he Dieu wants to purify nous sanctifier, us. Nous purifier. Hallelujah. Hallelujah. When we've been around so much gossip, quand on était autour de tant de commérages, we can smell it. Ça se sent. Hallelujah. Hallelujah. God smells it. Dieu sent cette odeur. That's what He always calls us closer to Him. Voilà pourquoi il nous demande de nous rapprocher toujours de Lui, afin de nous sanctifier, de nous purifier. Hallelujah. Hallelujah. You'll see someone telling you this, you know, one story about the CDP, how they're doing a tremendous job. C'est possible de voir quelqu'un en train de raconter une histoire de comment le CDP travaille. But you hear from that person. Mais on entendra toujours de cette même personne. They're still looking for something to gossip toujours about. Toujours trouver quelque chose possible de commérer. Hallelujah. Hallelujah. Oh, but I know it's that, but you know, this is not being done. You know, you know why that's not being done? Oui, il y a ça, mais ça se fait encore. You see someone praising the mama, you know, mama president and the vice president mamans, because they're doing such a good job parce qu'elles font un travail merveilleux. Keeping the mamas still together. Essayons de garder les mamans toujours ensemble. Hallelujah. Hallelujah. It's not easy. Parce que ce n'est pas facile. Hallelujah. Hallelujah. I know you didn't say amen, but I know it's not easy. Je sais que ce n'est pas facile. Mama president and mama vice president, may God bless you one more time. Que le Seigneur vous bénisse. May He give you the power, whatever you need. Because it's not easy. Hallelujah. Hallelujah. Because some of us have been around so much gossip. The deacons are doing their job. Bring us the Holy Communion. It's always ready. Every first of the month. You see someone praising what they're doing. But there's always that one person looking for something to gossip about. To gossip about. God wants to wash us today. Dieu veut nous sanctifier. There's de cela. That need to be cleansed il y a ce again. Besoin d'être sanctifié. I want to remind us today. J'aimerais nous rappeler encore aujourd'hui. That it is in the Bible. Que c'est dans la Bible. If you check the book of Proverbs chapter 16, verse 28. Verset 28. The Bible is clear. It says, la Bible est claire en disant. Gossip can separate two close friends. Les commérages peuvent diviser deux frères, Hallelujah. Deux amis. That's how powerful gossip is. C'est comme ça, c'est aussi puissant que les commérages. I really want to remind us. J'aimerais nous rappeler aujourd'hui. I beg us. Je vous supplie. To stay away from gossip. Être loin d'aller loin Hallelujah. Des commérages. Hallelujah. If we want this church to be revived again. Si nous voulons un réveil dans notre église. That's one of the things we need to really stay away from. En tout cas, c'est l'une des choses que nous devons the vraiment Bible faire. Says, two close friends deux bons amis can be separated peuvent être séparés simply by gossip. Simplement par des commérages. Powerful. Très puissant. Hallelujah. Hallelujah. But that's not the message today. Mais cela n'est pas notre message aujourd'hui. There's a need to be purified today. Il y a un besoin d'être sanctifié aujourd'hui. And we're going to read the book of Matthew chapter 5. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5. From verse 14. Du verset 14. All the way to verse 16. 14 à 16. Matthew chapter 5. Matthieu 5.
from verse 14 du verset 14 through verse 16 à 16. If you can read for us in French. Alors, je vais lire au nom de Jésus. Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16, je lis au nom de Jésus. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Actually, if you can read 13 also. Je vais lire le verset 13, le verset 13 au nom de Jésus. Amen. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lumière rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. 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 So, from 13 through 16, de 13 à 16, he has some identity of us as Christians. Il y a certains éléments de notre identité en so tant que chrétiens. We're going to start today. We're going to talk about it little. Nous allons commencer par là aujourd'hui. Nous allons y aller lentement. We'll continue. Éventuellement, on continuera dans les sessions prochaines. From verse 13. Du verset 13. We see that Jesus here talking to disciples. Nous voyons Jésus parlant à ses disciples. Jesus here talking to you and I. Jésus s'adresse à nous. Hallelujah. Hallelujah. And he's pointing to one of the really, really important point about our identity as Christians. Jesus says we are the salt. Il dit que nous sommes le sel. Hallelujah. Hallelujah. We are the salt of the earth. Nous sommes le sel de la terre. We are the salt. Nous sommes le sel. In this church. Dans cette église. Hallelujah. We ought to be salt. Nous sommes censés être des sels. Hallelujah. Hallelujah. And if you really you have never cooked before. Et si tu n'as jamais préparé avant, for some of us it's difficult to really see the importance of salt. Là, ce serait un peu difficile de voir l'importance du sel. Hallelujah. Hallelujah. Are you still with me? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Salt has some important properties. Le sel a des qualités très importantes. Hallelujah. Hallelujah. For example, par exemple, it's very important when you want to mix things around. Quand tu veux mélanger certaines choses. What's that meal that when you cook, you put so many things around? Like, is there a meal? Quel est ce repas que tu prépares et que tu mélanges beaucoup de choses dedans? Not the mama don't have to answer today. Only the papa. Les mamans n'ont pas besoin de répondre seulement les papas parce que Mother's Day arrive. Give me that dish that when you mix too many things around. Quel est ce repas que tu prépares qui demande beaucoup d'éléments dedans? Seulement les papas. Oh, les papas who went to boarding schools and. Où sont les papas qui étaient allés à l'internat? What is that? Is it pondu? Is it pondu à Madès? Quel est ce repas où on mélange beaucoup de choses dedans? Hallelujah. One Hallelujah. Minute. Sakata Madès, okay? Sakata Madès. What do you mix it? What do you mix it now? Qu'est-ce qu'on mélange dans le Sakata Madès? Pondu, that's pondu. One. Des feuilles de manioc, les haricots, Mbisi. Du poisson fumé, épices. Des épices. Okay. God bless you, Papa Ben. Ooh, merci that beaucoup, was a Papa challenge. Ben. You put so many things around in that meal. On met beaucoup de choses dans ce repas. Sakamadesu. Le Sakamadesu. Hallelujah. Hallelujah. And one time I heard from a mama who said one thing. Une fois j'ai appris d'une mère qui a dit une chose. That mama said if when you're cooking. Elle a dit quand tu prépares. When I'm, and now I'm going back to the mama now. Là maintenant je vais retourner vers les mamans. You can put so many things around. Tu peux mélanger tant de choses dedans. And you, when you taste, you can still taste. Et quand tu essaies de les goûter, the tu difference peux in everything that you put in. La différence entre tous les éléments, les condiments qu'on a mélangés. Whenever salt is absent, mais quand le sel est absent, you can taste everything that you have in that dish. Tous ces éléments, tous ces condiments dedans. If you have madesu in there, quand tu as les haricots dedans, you try to taste. Tu essaies de goûter. You're gonna taste madesu. But the mint salt shows up. Hallelujah. Everything mixes around. Toute chose est un peu mélangée. Hallelujah. Hallelujah. Everything tastes the same. Toute chose goûte pareil. When you try to taste the meal with salt in it, quand tu essaies de goûter un repas avec un peu de sel, it tastes like one thing. Ça goûte comme une seule oh, chose. You're not hearing me. Non, it tastes like one thing. Goûte comme une seule you chose. Can say that this is one dish. Tu peux appeler ça un
But when you take salt out, I don't think you understand what I'm trying to get at. When you take you out of your family, technically you're supposed to be the person who mixes all other people together. Hallelujah. In other words, you can check if you're really a salt. Tu peux vérifier si tu es vraiment un sel. When you're absent in your family. Quand tu es absent dans une famille. You're not hearing me. I'm going to repeat that. Oh, hallelujah. Je vais répéter, hallelujah. 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 You can check tu peux to vérifier see what you really are, who you really are. Tu peux vraiment vérifier ton identité when you're not there. Quand tu es absent. If when you show up, si quand tu apparais, people are still separated. Les gens sont toujours divisés. In fact, if you show up and people scatter like they were even better before you came, en effet, si quand toi tu es là, les gens deviennent you can be sure that you're not a salt. Hallelujah. Tu peux être sûr que tu n'es pas and God wants to cleanse you again et today. Dieu veut te sanctifier because encore he wants that property to show up again. Propriété, cette hallelujah. Apparaître. Hallelujah. We are salt. Nous sommes des sels. We're supposed to help mix. On nous sommes censés aider à mélanger, unir. I know why it's not happening in some of us. Je sais pourquoi ça ne se fait pas pour certains d'entre nous. Because we've been around so much dust. Parce que nous avions été entourés de tant de poussière. We can't even look at ourselves and say this is not my identity and I really need to go back to my identity. Ce n'est pas mon identité. Je dois when we go to your job. Quand tu vas à ton lieu de service. When we go to your job. Quand tu vas à ton travail. Hallelujah. Hallelujah. You're supposed to help people be together. Aider les gens à demeurer ensemble. Another way you can check. Une autre façon de vérifier. You don't go to work for a few days. Ne va pas au boulot pendant quelques jours. The check is going to go down. Je sais that, que le chèque, le montant va when diminuer. When you take that vacation. Quand tu prends tes days off, tes vacances. The day you return. Le jour où tu reviens. You can check the attitude of people. Essaye de vérifier, observer l'attitude. Hallelujah. Hallelujah. If people are separated, si les gens sont toujours séparés, and when you show up, you somehow help them come together. Et quand tu apparais, ils semblent être it's encore already ensemble. A good thing. C'est déjà une bonne chose. It's already a good thing. C'est déjà une très bonne chose. But if it's like people got together when you more close, they got closer when you left. Mais quand les gens étaient unis dans ton absence. Because gossip left also. Parce que les commérages étaient partis avec toi. It's actually the time. C'est vraiment le moment. For you and I to check. Pour vous et moi de vérifier encore. Who we really are. De faire une évaluation de qui nous sommes vraiment. It's good to claim to scream and shout I'm a Christian. C'est très bien et bon même de crier que nous sommes chrétiens. But the identity is what we're looking for. L'identité est ce dont nous avons that's réellement besoin. That's what Christ is calling us. C'est ce que Christ a besoin. That's what Christ was reminding the disciples. C'est ce que Christ a rappelé à ses disciples. Hallelujah. Hallelujah. He was reminding them that your job is to help people be together. Il leur rappelait que votre travail est d'unir les gens. Even if you really saw the reason, a good reason for people to be separated. Même si tu avais des très bonnes raisons de diviser les gens. But as a salt, try to help them come together. Essaye de les aider à demeurer unis. In our church, dans notre église, we have so many departments. Nous avons tant de départements. This is a way for us to check. Ça, c'est encore une façon pour nous de you vérifier. Can check, brothers and sisters. Nous pouvons vérifier, frères et sœurs. Hallelujah. Hallelujah. When the word of God comes, we have to look at ourselves. I'm looking at myself too. Je me vérifie, je fais une évaluation personnelle. Am I being that salt? Suis-je ce sel? Am I being that person who helps others come together all the time. Cette personne qui unit les autres. You know when you listen to some of the things around in our ministries in our departments. Tu sais, quand on entend certaines choses qui se disent dans nos ministères, you can really say that there's a good reason for them to be separated. On peut facilement voir des bonnes raisons de les when you come to the youth ministry, quand on vient dans la, you dans le hear département some, des jeunes, some reasons that why people don't really cope with one another, they don't interact. On voit certaines raisons pourquoi certaines personnes ne travaillent it's, pas ensemble. You can really say this, they're right. On peut se dire qu'ils ont raison. Oui. But that's not what Christ is saying here. Hallelujah. He's saying we need to be like salt. Il dit nous devons être comme du sel. And we just saw that the property of salt is. Et nous avons vu les propriétés du sel. It helps people be mixed. Ça nous aide à être unis. Hallelujah. Hallelujah. In the food, when there's salt, we can taste one thing. Quand il y a du sel dans un repas, on goûte un seul goût. One reason why
Une raison pourquoi we're still stumbling as a church. Pour laquelle nous sommes toujours I know en train that de the souffrir devil is also on our ways against Je sais que us somehow. Le diable est contre nous sans cesse. But one reason is that we are not being the salt. Mais une autre raison est que nous ne faisons pas notre part Hallelujah. De sel. Some of us are not helping people Certains come together. D'entre nous ne facilitons pas cette facette. Hallelujah. It's hard sometimes because sometimes you have to fight against your ego as a human. Parce que nous devons nous battre contre notre propre ego. I can't stand people who speak like ah, je ne he peux or pas she. Tenir certaines personnes qui parlent de telle Hallelujah. Manière. Hallelujah. The way he or she looks at people, I just can't stand. La façon dont cette personne regarde les gens, je ne peux pas I try to stay away. J'essaie d'aller loin d'elle. That's not what Christ is calling us to be. Hallelujah. Christ is calling us to come together as a church. Hallelujah. Hallelujah. He's calling us to make sure we are, you know, awake and we're really watching to remain that salt. So we can grow as a church. So we can continue to grow. The Bible says we have to keep watching. We have to keep our look straight fixed unto Jesus Christ. Hallelujah. So that we can continue to go with him. He's the one who's going to finish our course. Afin de continuer avec lui car c'est lui qui va finir notre course. That's when we are purified, we can see that. Ça c'est quand nous sommes purifiés, on peut le voir. Can you still see this property in your life? Est-ce que tu peux toujours observer cette propriété? Those of us watching, ceux de nous qui nous suivent en ligne. Can you still see this in your life? Est-ce que tu peux toujours observer cette qualité dans ta vie? For those of us who are married, pour certains d'entre nous qui sont mariés, can we still see this property of Est-ce salt? Que nous pouvons toujours voir cette qualité du sel dans nos mariages? Hallelujah. Hallelujah. When something happens, quand quelque chose advient, when you get into it with your spouse, quand vous vous querellez, il y a une raison de dispute avec votre. Who's the first one who come and say, you know, I'm sorry, I think we should just Qui est la première personne à demander pardon et dire, je pense que nous Hallelujah. Devons trouver un terrain d'entente. Here's a funny story. Ça c'est une histoire marrante. One time, I think Pastor Casirico was preaching here. Une fois, je pense Pasteur Casirico a prêché. And he told us, he said. Et il nous dit. You know, sometimes the papa have to also say sorry. Les papas doivent aussi dire pardon. Most of the papa don't say sorry. La plupart des papas ne demandent jamais pardon. And there was a papa who said. Alors il y avait un papa qui avait dit. I'll text her. Il dit, je veux lui texter. I'll just text her so I can. Laisse-moi lui texter car like je that. Peux pas la. Hallelujah. Hallelujah. God wants us to be the people who bring one another together. Et unis les autres. That's one property of salt. C'est l'une des propriétés du sel. Another property of salt, we almost done. Une autre qualité, nous sommes presque à la Hallelujah. Fin. Today we're just going to talk about salt. Aujourd'hui, nous n'allons que parler du sel. You know, I was shocked, I was surprised to find out that soap also has salt properties. J'étais surpris de voir que le savon a aussi les qualités du sel. Hallelujah. Hallelujah. For those papa who also wash the dishes. Pour ceux des papas qui only lavent the papa la vaisselle. Today. Aujourd'hui, ce ne sont que des papas. The papa who wash dishes. Pour les papas qui ont une fois dans leur vie. I'm not talking about, you know, cereal dishes like a dirty dish with Je the oil and des assiettes sales avec de l'huile. You can see one thing. Vous pouvez observer I'm sure you are able to notice one thing. Je suis sûr que vous aviez observé When une chose. You don't have soap, quand tu n'as pas du savon, the water stays on its own. L'eau demeure de l'autre côté. And the oil also stays on its own. L'huile aussi demeure de l'autre côté. Hallelujah. Hallelujah. Apparently, soap also does the same job. Apparemment, le savon fait aussi le même Because travail. Because if you look at the science behind the formula, you can see quand that it's actually salt. Quand on regarde les formules chimiques du savon. Elles sont similaires à celles du sel. Hallelujah. Hallelujah. And when I kept reading one time, et quand j'ai lu une fois, they mentioned one thing about soap. Une chose était mentionnée par rapport au savon. I'm talking about soap that you use to clean Je your parle dishes. Du savon utilisé pour laver la vaisselle. They say that soap has two sides. J'ai lu que le savon a deux côtés. So basically, it's adapted to attach to two different sides. Pratiquement, elle est prête à s'attacher de deux côtés à deux Hallelujah. Sortes Are you still with me? Est-ce que nous sommes toujours Apparently, ensemble? Apparemment, it's adapted to attach to two different sides. Le savon est adapté à s'attacher à deux côtés. We can liken this into our lives as humans. Semblable à nos vies en tant qu'humains. So there's some people if you're soap for example, you're supposed ceux-là. To learn to cope with good people. Il y a de cela en tant qu'humain, nous devons être à mesure de travailler avec les bons and bad people. Et les méchants.
In the case of soap, dans le cas du savon, they say it has some polar properties. Il paraît que le savon a une qualité polaire. Which, in other words, means it can bind to water. Elle est un peu bipolaire. Elle peut s'attacher this is à just l'eau. Soap. C'est seulement du savon. It has another property, une autre propriété, which they call non-polar, qui est non-polaire. And that can bind to oil, qui peut aussi s'attacher à l'huile, or fatty substances. Aux histoires gras. Are you still with me? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? That's why soap can help. Voilà mix pourquoi water le savon peut and venir oil. Et l'huile et de l'eau. Remember, it's also salt. Here. Souvenons-nous aussi que nous parlons de ça comme so basically, pratiquement, when we look at our identities as Christians, nos identités en tant que these chrétiens, are the things that we're supposed to voilà see. Des choses que nous sommes censés observer. Hallelujah. Hallelujah. We're supposed to be able to cope with the nous sommes censés travailler people who speak bad travailler avec ceux qui parlent mal, and des those who langues. Speak always good and always nice bon. So that we can bring everybody together. Afin d'emmener les deux hallelujah. Hallelujah. Because in reality, parce in life, réalité, dans la vie, there's all, there are only two people. Il n'y a que deux sortes de personnes. One on this side, one d'une extreme part, of the pole. Une extrême, and the other ones on the other extreme et d'une of the pole. Part, de l'autre extrême. So we need soaps. Hallelujah. We need people who are going to have this property. Nous avons besoin des gens qui ont and one thing I love about God, c'est que j'aime avec Dieu. He says, ask and it shall be given dit, to you. Demande, je te donnerai. If you don't have that property, si tu n'as pas cette qualité, or if you have it, but somehow the dirt ou si tu en as fait, mais la poussière, is hiding it, you can't see it, just pray that God will wash Dieu you again afin qu'il te lave, so that you can help people be together. Afin que tu aides les gens whenever there's a quarrel among people, fois qu'il y a des querelles, when you show up, quand tu you know exactly what to tell the person who's mad and the person who's also not mad. Hallelujah. Whenever there's people who are not that who haven't spoken in a while, when you show up, God will tell you exactly what to tell the person who's right and the person who's wrong. Because your goal is a soap. Oh, hallelujah. I feel like clapping all by myself. Can you clap for the king? Oh, how God is good. Can we clap one more time? Clap, clap, clap for Jesus. We are supposed to be that salt. Nous sommes censés être ce savon. It's good to claim. Nous sommes, c'est bon de you know, I was born again in 1965. I was born again in 1970. J'étais né de nouveau en 1970. Hallelujah. Hallelujah. But do we really have these properties mais est-ce in que us? Nous avons ces qualités this is just one property that, ça, that Jesus qualité que pointed Christ to. A pointé ici. Hallelujah. Hallelujah. I heard two great testimonies in our j'ai church. Entendu and, de bons témoignages. And thank, I pray to God for these people and I bless these people et je bénis in my spirit. Ces personnes dans mon esprit. One person told me personally, une personne one time, une fois, he said when he got married to another, to his wife, il me dira quand il s'est marié à sa femme, and this person is not even here, don't apparently there's problems in her, in the wife's family. Apparemment, il y a des problèmes dans la famille there de la are femme. People who never, they, somehow something happened, they cussed you know, one another out, they said, you know, I'm never ever going to speak to you again. Hallelujah. Hallelujah. But because a person has this property of soap and salt, he said, I told them, he said, I told my wife, if you don't come together now, so this person was had the Holy Spirit inspiration. He knew exactly what to tell his wife. Ils savent exactement que dire à son I'm not épouse. Saying who, if whether his wife was the problem or the wife's je sister who had the problem. Si son épouse avait le problème, but les, apparently les he de knew épouse. What to tell them. Apparemment, ils savaient que dire. He said, if il dit, you don't fix this today, si vous ne réparez pas ça aujourd'hui, I don't ever want to see you speak to them or go to their funerals when they're dead. J'aimerais plus jamais te voir aller chez eux, alors so the wife funérailles. Got scared. Elle a eu peur. She's like, well, I mean, I know, but je sais, mais he said, I'm just telling you. Je te dis seulement. And somehow, he was able to also convince the other side that we have to meet so that you, all of you, can come together. Pour que vous tous ensemble, soyez ensemble. Long story short, en bref,
They all came together as a family. Ils étaient tous venus ensemble. Hallelujah. Comme une famille. Hallelujah. Because of that one person. À cause de cette seule because personne. Of that one person who à behaved cause like cette salt. Personne, t'es comporté comme that du one savon. Person who had this dual property. Hallelujah. He was just dualité. Walking around il with it. Marchait avec cette dualité. I don't know about you, but have you ever met these people who. Je ne sais pas à propos de toi, mais est-ce que tu as déjà rencontré ces personnes? They never see a problem. Qui n'ont jamais vu un problème. Hallelujah. It's rare to see those people, but. C'est rare de voir ces personnes. They're there. Mais elles existent. No matter what you tell them. They don't see the problem there. But no, but he cast me out. He looked mais at me this. He said, dit, you tell them that. Tu leur dis ça? But they'd be like, no, et I know that. Dit, je sais ça. They always have something good to tell mais you. Ils ont chose de bon à te dire. To bring your heart a little juste down. Pour there are people like that. Il y a de cela. They never see the problem. Rien, may the Lord give it to you que so that you can also be that person. Cela, hallelujah. Hallelujah. One person said one time, une he told me, a dit une fois, that one reason why people don't come to our church is because we lack this property. We're looking for the right people only. Some of us, we carry just that one property. The property to bind and discuss and talk to the people who are not polarized. We don't have that. So it's hard to bring those people to God, to this church. May the Lord deliver us, and que I know he's going to do it. In the name of Jesus. Alleluia, another story also. Une autre histoire. This time it's of a woman. Hallelujah. This woman was in Congo. Cette femme était au Congo. And then somehow he got married to this husband, and the husband was here. She came here and elle joined the husband. Mariée à son mari, puis elle est venue ici. The minute she joined him, la minute qu'ils sont venus she ensemble, quickly realized that there was a problem in the husband's family. Très vite, elle a réalisé qu'il y avait un problème dans la famille de son mari. See, that's one good thing about soaps and salt in general. C'est l'une des bonnes qualités de sel en général. You can't help it. I mean, when people are not together, it's supposed to, you know, tickle you a little bit. You're supposed to feel that you're sick because people are not together. Parce que hallelujah! Hallelujah! If it doesn't tickle, if it doesn't make you sick, this is the time to pray to God. C'est le moment de prier à Dieu. To give you that ability. De te donner cette habilité. That lady said, cette dame, the minute she came into the family, la minute qu'elle est venue and heard that the husband does not speak to one of et the sisters, que son mari n'ayant pas parlé à l'une des she sisters, went and saw the sister. Elle est allée voir sa sœur. The first thing she did, la première des choses qu'elle avait fait, when she came back, quand elle est rentrée, the husband said, le mari lui dit, where do you come from? D'où est-ce que tu viens? She's like, oh, I went to see your sister. Bon, j'étais allée voir ta sœur. But do you not, what's wrong with you? You don't know that I don't speak to her? She's like, I know. That's the very reason why I want to see her. Because I can't stand it, oh my God. He said, I just can't stand it that you don't speak to your sister. I can't stand it, hallelujah. She said, I can't stand it that the current between you doesn't pass right. Ça me dérange que le courant ne passe pas bien. Aren't you supposed to be brothers and sisters? Pas, she said. Pas, ça, sans she said, aren't you supposed to come from the same family? Venir d'une même aren't famille? You assessed, supposed to be from one family? Venir d'une même oh, famille? You're not hearing me. Hallelujah. I love it when Pastor Cacerega says, this is the family that we're going to spend ça, eternity with. Qui oh, you're not hearing me. He always reminds us that. Some of our family members, you know, those who still don't want to believe in Christ, we don't know, we might not be with them. Hallelujah. But in this church, in this family, aren't we supposed to be one family? Hallelujah, Christ. Long story short, the brother or the husband, the current started circulating again with the family, with the system. Hallelujah. 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 You are supposed to be the salt. Tu es censé être le sel. We are supposed to be the salt. Nous sommes censés être le we're sel. Supposed to bring people together. Nous sommes censés unir les gens. We are supposed to be sick when, nous sommes censés être malades. When the current is really not passing quand through. Le hallelujah. Courant ne passe pas bien. Hallelujah. Hallelujah. When there's an isolator. Hallelujah. For those who studied electricity, I'll tell you, they say if you want to block the current, just put an isolator in the middle. The same current won't pass through.
Hallelujah. May you be that person who's specialized in removing those isolated so that the current will pass again. Let's clap for the word of God. Let's clap for the word of God. We're going to move quickly to the Holy Communion. 1 Corinthians chapter 13. Premier livre de Corinthiens, chapitre 11. Verset 23 jusqu'à 26. J'aimerais maintenant inviter nos diacres to come up and help us with this. Pour venir nous aider avec ce repas, cette sainte scène. Hallelujah. Hallelujah. The Holy Communion of the Lord's Supper. It's a centerpiece of our Christian belief, brothers and sisters. Au cœur de notre foi chrétienne. God brings us together. Dieu nous emmène ensemble. Around this table. Autour de ce repas. To remind us that we're supposed to be one. Pour nous rappeler que nous sommes censés être un. And to help us to be humble towards one another. Et nous aider à être humbles envers les uns les autres. Moreover, he wants us to remember what he did for us. Par-dessus, il aimerait nous rappeler ce qu'il a fait pour nous. Hallelujah. Hallelujah. He saved you. Il nous a sauvés. He saved me. Il m'a sauvé. Hallelujah. Hallelujah. He wants us to remember that always. Il veut qu'on se souvienne de cela. He delivered you from the power of sin. Il nous a délivré du pouvoir du péché. He wants you and I to remember that. Il aimerait que vous et moi nous rappelons de cela. He healed some of us from our sicknesses. Il a guéri certains d'entre nous de nos maladies. He wants us to remember that. Il aimerait qu'on se souvienne. The book of Isaiah 53 says that. Le livre d'Ésaïe 53 dit. By his stripes we were healed. For I received from the Lord that which I also delivered to you. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. That the Lord Jesus. C'est que le Seigneur Jésus. On the same night. Dans la nuit. In which he was betrayed. Où il fut livré. He took bread. Il prit du pain. Verse 24. Verset 24. And when he had given thanks. Et après avoir rendu grâce. He broke it le rompit, and said this. Et dit, take, prenez, eat, mangez. This is my body, ceci est mon corps, which is broken for you. Qui est rompu pour vous. Do this in remembrance of me. Faites ceci en mémoire de moi. Papa Ernest, if you can say a word of prayer. Papa Ernest, si vous voulez dire un mot de prière. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette occasion, Papa, que tu nous accordes une fois de plus. Devant ta table, Papa, c'est toi qui es Dieu qui a instauré la Sainte Cène. Et nous allons bénéficier cet après-midi, Papa, du travail que tu as accompli sur la croix, là où tu t'es donné pour nous. Alléluia, nous te disons merci, Papa. Bénis tout et chacun, tous ceux qui vont bénéficier de cette Cène. C'est une scène, Papa Céleste. Que cela apporte la vie. Que cela apporte la guérison, Papa Céleste. Papa Céleste, merci comme ta parole nous le dit, Papa Céleste. Papa. Par ta maîtrise, nous sommes guéris. Alléluia. Oui, c'est par ta maîtrise, nous sommes guéris. Et cette parole est certaine, Papa. Nous croyons en cela, Papa, parce que c'est ta parole, Papa. Et nous savons, Papa Céleste, que nous sommes. Nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, Papa. C'est au travail de ton sang, Papa. Ton sang nous a lavés. Ton sang nous a justifiés. Ton sang, Papa, c'est là que nous avons reçu la vie. Que ton nom soit élevé à jamais. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, nous te disons tous. Amen. 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 Okay, let us take it as we it goes. Prenons alors que partageons. Papa Ernest is going to bring it to us. Père Ernest va partager, va faire passer. Our brother, our team, our worship team, if you can. Notre team de louange, si nous pouvons venir. Help us with the song. Nous aider avec un chanson.
crucified. Live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the form of me, thought of me above. Yamino koma wa pepasi, ondi miko koma lisumu. Eloko yo sala na nuteo, yono meseni na koseka, yono meseni na kolimisa. Yaya nanga obongi na yangoteo, ezanga nena meritaki, sonyo yo. Sumu ya ya ondi mili wae osi penza esi kanangayo ngape. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Tango nazala ki nama nama sumu ya ondi mili wae osi penza esi kanangayo. Gapena komi mo santu, tika lelo na yerisa yoye. Oh Jesus, tu es tout pour moi. We're going to continue with this song after. On va continuer avec la chanson. Verse 25. Le verset 25. In the same manner, de même, he also took the cup. Il prit la coupe. After supper. Après avoir soupé. Same. This cup. The new covenant et la nouvelle alliance in my blood. En mon sang. Do this ceci as often as you drink it de toutes les fois que vous en boirez in remembrance of me. En mémoire de moi. Let us take the blood. Prenons le sang de Jésus. Hallelujah. Barnes is going to go around to pick up. Père Nest va encore faire un tour pour récupérer. As our team continues with the song. Alors que le groupe de louange continue avec la chanson. Hallelujah. Hallelujah. Sousou akamati soyi yebele na monoko na ye asopi yango sene longi elongi oyo ya mwana na mpate ye kwa meza na koseka ye kwa meza na kolimisa ye ya na mayo bongi na yango teo ezanga nde na meritaki
sonyo yo, oh, sonyo yo, eh, tamo na zalaki na masumu, na masumu ya ya. Gapena komi mosantu, tika lelo na yebisa yoye. O Jesu tu es tout pour moi, tamo na zalaki na masumu. Masi yo kimi waye, osi benza yesi kanangayo. Gapena komi mosantu, tika lelo na yebisa yoye. Kaka boli wenyo koli oboye o. Kutia kwa mbona tolamo. Olo moli kazaka ya bokonzi. Ola jie lamba ya mosali. Katiba toyoli na kimingi. Baba luki babeti yo fimbo e. Ekulu suki lona mokongo. Yoni Namasumu ya ya Kimiwae Usipenza yesi kanangayo Ngapena kumi mosantu Tika lelo na yebisa yoye O Jesu tu es tout pour moi O Jesu tu es tout pour moi O Jesu tu es tout pour moi Osi o komanyo sopo na ngai ya ya O Jesus tu es tout pour moi O Jesus O Jesus Jesus O Jesus Jesus O Jesus Balinga nga ya boyete o Jesus ya boyete o Jesus Balinga nga ya boyete o Jesus Balinga nga ya boyete o Jesus Balinga nga ya boyete o Jesus ya boyete o Jesus Balinga nga ya boyete o Jesus ya boyete o Jesus Balinga nga ya boyete o Jesus Nanu Balinga nga ya boyete o Jesus Balinga nga ya boyete o Ya boyete oh, oh Jésus, balinga nga ya boyete oh, Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu merveilleux. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Dimanche prochain, c'est le journée des mamans. Amen. La fête des mamans. Il dit pasteur Fabrice, c'est pas moi qui ai dit ça. Bon, c'est pasteur Fabrice. Yeah. Alors, merci maman. Président, maman président, maître, essayez de mettre tous les mamans ensemble, c'est pas facile. Amen. Alléluia. Les angam dans le guité. C'est pasteur Fabrice. Yeah, pasteur Fabrice a dit. Merci, maman. Mais une chose, le jour où nous serons devant notre Dieu, quand les autres vont aller chercher où est Daniel, où est Paul, où est Joseph, moi je vais rester devant Dieu. Je vais juste lui poser la question, demande.
Père, c'est avec quelle matière que tu as créé une femme? Une femme. Parce que je veux dire qu'un jour j'écoutais pasteur prêcher. Alors bah, qui était. C'est pas facile. Que les mamans sont ensemble. En général. Mais moi je sais que nos mamans sont hors de ces générales-là. Nos mamans sont capables d'être ensemble. Alléluia. Parce que Baza est exceptionnel. Est-ce que nous pouvons applaudir pour nos mamans? Alléluia. Alléluia, notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Pardon? Oui, nous sommes arrivés au moment où nous voulons contribuer pour l'œuvre de Dieu. Pour ceux qui sont à la maison, vous pouvez donner par zèle. Ceux qui sont encore ici, là. Souvent, les gens me disent que non, non, non. Moi, je préfère, you know, ça, c'est le moyen facile. Dieu seul connaît le cœur, même si tu ne donnes pas, parce qu'il y a maintenant comme ça, là. Même si tu ne donnes, il y a, oh non, j'ai déjà donné. Alléluia. Mais moi, j'aime quand vous êtes ici. Que vous donnez physiquement. Je vais voir. Ahora sí. Alléluia. Bien. Donnez avec joie au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pas tant bébé, pas tant de manquer d'enfants. Mais sont ton boni, tant de bibili, Yesu Masia, Nazale, mon conscient. Amen, Gakabe, Sobale, Kinaye. On a beau conscient, c'est ça, tout quoi, t'as la gâtion. Baton di mokilio, biso toponi, zamba bibilia, Yesu Masia, azali mokonzio, abengaka biso baleki na ye, na mokonzia papa, tukota na kato, mokole salito komona na biso, ezengo. Plus fort, plus fort. Satan s'y me touche.
Satan simi touche. Satan simi touche. Pasteur Pasolo. Nous prions le Seigneur. Merci Papa, dans ta grâce. Tu nous as donné cet après-midi d'aujourd'hui pour pouvoir nous réunir ici pour t'adorer, pour te louer, parce que tu es digne. Personne n'est semblable à toi. Toi et toi seul, Seigneur, tu es digne d'être adoré et loué. Papa, merci beaucoup. Merci beaucoup. Accepte par la grâce, tu nous vois à travers Jésus-Christ qui est mort sur la croix à notre place, qui a pris tout ce qui est de mal chez nous et alors pour sanctifier notre sainte présence, là il y a très saint devant ton trône de la grâce et là tu nous reçois. Merci beaucoup. Écoutez donc nos prières, accepte-nous, Papa. Fais ton œuvre dans nous. Merci de nous rappeler que nous devons être le sel dans ce monde. Le sel, Seigneur. Ah,
nous ne pouvons pas par nous-mêmes. Nous avons donc besoin de toi. Fais ton travail, Seigneur, la vie de chacun de nous, afin que nous puissions être le sel de ce monde, le sel qui donne la douceur à la nourriture, qui rend la nourriture délicieuse. Père, fais de nous de cela, de ce monde. Le sel qui a été la culture, aide-nous à être vraiment. Nous te rachetons, Seigneur. Fais de nous ce gars-là que tu vas utiliser pour arrêter la corruption dans ce monde, dans les bureaux, dans les business, dans les familles. Père, nous confions à toi. Merci parce que tu es capable de nous transformer, de faire de ton église dans le monde entier, d'être vraiment le sel dans ce monde corrompu. Père, nous confions à toi. Merci beaucoup. Oui, merci pour ton serviteur Kasserekan. Il nous a écrit, il nous a parlé. Seigneur, écoute à tout là où il se trouve. Aide-le à accomplir l'œuvre pour laquelle tu l'as amené là-bas, Seigneur. Le mettons entre tes mains. Nous mettons aussi entre tes mains toutes les familles ici, Seigneur, dans ton église. Aide-nous, fortifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous, Seigneur. Bénis-nous. Bénis les mamans. Malades, aide-les, Seigneur. Guéris-les, papa. Tu as la puissance de les guérir. Nous les mettons entre tes mains. Ceux qui ont des problèmes de n'importe quelle sorte, Seigneur, visite-les, bénis-les, parle-les, tiens leurs mains. Aide-les à aller de l'avant, Seigneur. Nous les mettons entre tes mains. Oui. Merci beaucoup pour les offrandes que tu nous as fait donner pour ton œuvre, afin d'aller de l'avant, Seigneur. Nous mettons cela entre tes mains. Sanctifie l'offrande que tu nous as fait donner. Bénis-la, Seigneur. Et tes enfants, Seigneur. Bénis-les. Bénis-les au travail. Bénis-les partout où ils se trouvent en train de travailler pour gagner cet argent. Père, en tout cas, bénis-les là-bas. Oui, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre. Oui. Et le projet Bendel que tu nous as donné, papa, Seigneur, soutiens-nous. Aide-nous, Seigneur. Toi, tu ne manques pas cet argent-là dont nous avons besoin. Tu as ça, quelque part. Merci pour ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Que ton nom soit vraiment glorifié. Et continue avec nous. Continue à nous soutenir. Nous confions à toi. Nous confions aussi ce projet à toi. Et donc, les différentes ministère de l'Église, Seigneur, bénis-les, continue à les utiliser, fortifie-les, ranime-nous davantage, Seigneur, nous nous mettons entre tes mains. Merci pour tout ce qui se fait maintenant. Nous continuons que tu vas nous soutenir jusqu'à jamais. Nous confions à toi, papa. Ouais. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. Les papas. Be to see.
Situation is holding us back from being the church that we sought out to be 16 years ago. Because of our growing community, the need for our very own space has been put in our hearts. The Mandela Project is our fundraiser to help us support a new building. We need an African community center. So basically, our church is raising money to build or develop a community center. So the purpose of that is to kind of help newcomers, especially Africans. This project will be helping like people, struggling people in need. They're coming to the States, so we just want to, you know, help them get involved in American life. In this, you know, beautiful country. Sometimes it's not easy when you're first coming to this country. They're getting here, but they need some guidance, like how to learn the language and help people to integrate to the new society, which is, you know, here in America. I can give my own example. When I first got here, I didn't speak a word of English, and it was kind of hard. You know, I remember going, you know, to community college, not really, you know, being able to communicate with, you know, other students. It was kind of frustrating. So I believe that that community center will help people kind of, you know, just get a sense of this of the many opportunities that this country has. Please join us to raise funds to create the African Community Center, which is a place that can empower immigrants like me. Together, we can be able to help train the people who are in need of leadership, help those who are the immigrants coming to the United States from Africa who are having a hard time transitioning, assimilating into this American culture. If you help us, God will bless you, and that's what we're really looking for. Your donation will do so much more than just provide us with a permanent resident. The contribution will be a bridge between American and African culture through food and music. Your gift will help an immigrating family feel at ease for the first time in the United States. Our church is so much more than its Sunday service. We have a variety of ministries here at our church. To ensure that everyone has a place to serve. It's a place where people come to feel included every day. And day by day, each and every one of our ministries is growing. Don't just take my word for it. Come, see for yourself. Come fellowship with us. Come and worship with us. And be sure to check out our website,